Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que je n'ai jamais montré. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait quoi, 5 ans que je l'ai, mais bon, voilà. Alors, bien sûr, c'est un petit pétard. Donc voilà, c'est un petit pétard, donc assez lourd hein, quand même, presque 2 kilos. Ouais, il est lourd hein, quand même, hein, je l'avoue. Hein. Lourd, donc voilà. Si tu veux que je m'amuse, hein, m'amuse sera bien. Donc celui-ci, c'est un deux coups. Ah, c'est un vieux modèle, donc j'ai pris ça d'occasion. J'ai appelé ça 50, entre 50 à 100 euros, je sais même plus. Ça fait longtemps que je l'ai, donc j'ai pas trop bon souvenir parce que je suis pas quelqu'un qui présente ce dharma-là. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà, alors pour l'armée, c'est comme ça. Hein. Et là, il n'y a pas d'arme, hein, d'accord? Il n'y a pas de balle. Donc ça fait un drôle de bruit, hein, parce que c'est pas trop top, hein, c'est pas le meilleur, c'est un petit jouet quoi, pour moi c'est un jouet. Hein. Mais il est lourd hein, quand même, il est très très lourd, et donc bien sûr, hein, fais attention, on peut mettre des balles, hein, du petit calibre, mais c'est suffisant, ça fait mal à la tête, même très bien même, très mal à la tête. Hein, tu mets ça entre les deux yeux, c'est bon, on n'en parle plus. Moi je suis pas quelqu'un qui m'amuse. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Je te donne pas la référence du pétard parce que bon, c'est un pote qui me l'a donné. Qui m'a donné, hein, façon de parler, on parle financièrement, donc qui me l'a donné. Mais bon, voilà, il est pas mal, hein, il est pas mal. Mais bon, pour moi c'est un jouet, c'est reconnu comme un jouet pour moi. Donc peut-être bientôt, là je vais m'en racheter un autre, là. Un bon, hein, un très très bon. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais bon, voilà, je vais peut-être en acheter un, mais cette fois-ci, il fait dans les 3,50 kg, celui que je veux. Alors, bien sûr, hein, il faut toujours avoir une porte à d'armes, hein, c'est obligatoire, hein, c'est la loi. Hein. Donc, voilà, tout simplement, je vais m'en acheter un, et vous allez voir, ça fait quand même 3,50 kg, c'est quand même lourd, hein, un pistolet, hein. C'est pas des pistolets de 50 cm, de 50 grammes, hein. Voilà ce que je voulais dire. Hein. 50 grammes, là c'est vraiment. Ça c'est bien pour foutre la balle à la gueule, là. Donc voilà, c'est pas trop mon truc hein, de présenter des trucs comme ça. Donc là je viens de découvrir, ça fait un petit moment, mais je viens de découvrir, j'ai dit pourquoi pas le mettre de côté. Pourquoi j'en ai pas jamais parlé? Parce que c'est pas mon. En plus, il est pas propre, hein. Franchement, il est pas propre du tout. Hein. Il est pas propre du tout. Il n'est pas propre du tout, puisque c'est une occasion, hein, franchement. Voilà. Je vais peut-être le nettoyer dans pas longtemps. Donc voilà, je vais le nettoyer dans pas longtemps, c'est tout. C'est un petit pétard, c'est bon. Voilà, il faut dire, hein, il est lourd. Hein. Pour ce que c'est lourd. C'est franchement lourd. Donc voilà. Voilà, c'est pas mon truc de présenter des conneries comme ça. Mais bon, je vois qu'il y a de la merde qui commence à me faire chier. Hein. Donc vous prenez que nous, on est de la merde, donc voilà. Donc je vous dis que vous êtes de la merde vous-même, tout simplement. Bon allez, j'ai pas envie de vous emmerder, mais la prochaine fois, je vous fous une balle dans la tête pour de bon si je vous trouve. D'accord? Allez, salut, bye. C'est quoi ces conneries?